Bon, et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez vu coller des morceaux de polystyrène, exactement de la même manière que pour le remplissage du bateau, mais là ça va être pour sculpter le vivier. On va tailler le vivier en mousse, on va le faire une bonne forme et ensuite on va résiner par-dessus en mettant un anti-adhésif entre les deux parce que le polystyrène et la résine ça ne se supporte pas, ça va faire fondre le polystyrène. Donc on mettra une membrane plastique entre les deux et l'objectif c'est de faire Là on va faire le positif et le vivier on aura le négatif bien propre. Donc ça va être l'étape suivante, on va sculpter tout ça, enlever de la matière, poncer, pour avoir quelque chose de bien lisse, bien propre, pour ensuite passer à l'étape de la résine. Donc pour vous expliquer, là c'est ma face plus ou moins de référence. J'ai fixé deux planches à la dimension du haut du vivier et à la dimension du bas du vivier qui vont me permettre, en fait, il va falloir que je fasse un plan au ponçage. Il va falloir que j'ai un plan qui aille de cette planche-là à cette planche-là. Je vais enlever de la matière, je vais mettre une petite pente pour pouvoir démouler forcément et pour l'écoulement de l'eau également. Donc forcément j'ai une petite légère pente, donc j'ai 2 cm de chaque côté, là et là. Et sur les côtés, pareil, une pente sur 2 cm sur 28 cm. Donc ça devrait suffire largement. Et c'est pour ça que j'ai mis ces planches, pour avoir une surface de référence. Et après, au ponçage, avec une règle, au fur et à mesure, je regarde où il faut enlever de la matière. Et je vais enlever de la matière gentiment. Bon, il y en a quand même un peu à enlever là. Bon, j'avais plus de carte mémoire, mais voilà, j'ai fini de résiner, ça a durci. Tac, tout l'ensemble, comme vous voyez. Et par contre, je me suis rendu compte d'un problème au moment de résiner, c'est que le scotch PVC et le top coat, ça fait pas bon ménage, donc avec le polyester. Du coup, il y a des endroits où ça a cloqué en dessous, on le verra au moment du démoulage, et ça a accroché. Alors que le scotch plastique que j'ai mis dans un deuxième temps, là, pas de souci, ça se décolle super bien. Donc à voir au moment du démoulage ce que j'arrive à récupérer. Il y aura en tout cas à l'intérieur des retouches à faire. Et maintenant au moment du démoulage, voir si soit j'arrive à tout sortir en un morceau, soit je dois arracher tout le polystyrène à l'intérieur. On va voir comment ça vient. À mon avis je vais galérer, mais on verra le résultat à l'intérieur. Ça manque peut-être d'épaisseur un petit peu. Si je vois que c'est trop souple, pas assez rigide, bah je rajouterai de la fibre par-dessus dans un second temps. Là j'ai en moyenne 3-4 couches de mat en 300 grammes, c'est peut-être un peu juste. On verra, au pire je pourrais toujours en rajouter. Donc allez c'est parti, vous allez me voir galérer à démouler ça.
Bon voilà, ça y est, j'ai enlevé tout le polystyrène qui est là. Et le résultat est pas trop mal, c'est mitigé. En tout cas en termes de rigidité c'est bon. Par contre, bah, comme je m'y attendais, hein, le scotch orange, ça a fait cloquer. On voit bien, hein, ça a complètement cloqué. Et par contre là où il y avait le scotch lisse, c'est plutôt lisse. Bon, il y a des petits plis dans le scotch. On les voit, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, là, je vais le poncer un petit peu. Vu que même il y a des endroits au niveau couleur, on n'est pas homogène. Comme... Hop, il n'arrive pas à faire la mise au point sur le blanc, lui. On n'est pas homogène, etc. Il n'y a pas assez de gel coat. C'était mon premier moulage. C'était un test. Dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Hein. Mais vu que ça a cloqué, voilà. Gel coat, il part à certains endroits. Et du coup, je vais poncer. Un peu à la main là pour le rendre surtout rugueux et enlever tout ce qui part. Et après je vais passer du mastic pour rendre bien lisse. Et ensuite je remettrai un gel coat sur tout l'intérieur. Comme ça ce sera nickel. Voilà. Avec les bacs ici. Pareil, là ça a cloqué un petit peu, mais c'est pas très grave. Voilà. Tac. Un beau petit vivier. Et après je redécouperai à la dimension que j'ai besoin. Là ça dépasse, j'ai juste enlevé la fibre qui dépassait, mais je recouperai comme il faut. J'ai fini de tout poncer, enlever tout le gel coat qui tenait pas, etc. avec les cloques. Maintenant, mastic fibré pour boucher tous les plus gros trous. Et ensuite, on passera un mastic beaucoup plus fin, un filler là pour avoir quelque chose de lisse. Puis, on remettra deux couches ou trois couches de gel coat pour que ce soit bien nickel.